Gloire à toi Jésus, gloire à toi les grands rois, gloire à toi les grands dieux, les dieux tout-puissants, les dieux glorieux. Béni soit ton Seigneur éternel, en ce jour de dimanche éternel. Oh, tu t'appuies encore une fois de plus, de nous renouveler les souffles de vie ce matin éternel, de nous compter parmi les vivants. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ton amour incommensurable. Merci éternel de Dieu. Gloire te soit rendue aujourd'hui éternellement. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié éternel. Parce que tu es bon, tu es glorieux, tu es puissant. Alléluia. Gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, éternel. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie, éternel. Alléluia. Gloire, honneur à toi, Jésus. Gloire, honneur à toi, les grands. Alléluia, alléluia. Que l'éternel et Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre intercession pour tous. Soyez bénis, 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 bénis de la part de Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Parce que nous sommes toujours dans le mois de janvier où on peut se dire bonne année, bonne année, bonne année. Que le Dieu grand, le Dieu véritable vous bénisse abondamment. Le maître de toutes choses, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que cette journée soit une journée spéciale au nom de Jésus. Dès que nous commençons notre travail que nous faisons chaque matin, 7 sur 7, n'oublie pas d'aimer les vidéos et d'inviter 3-4 personnes à prier avec toi. Ça veut dire de partager, de partager, de partager, allez, de partager à 100, 200, 300 personnes pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Tolobi boye nzambe ya pambola bino bisika bozali na bamboka oyo bozali nzambe a pambola bino nzambe amonisa bino ngolu pe loboko na ye na tongo na lelo afongola bino bikuke oyo kangama tolobi mbula malamu mbula malamu mbula malamu mbula malamu mbula malamu mbula malamu. Soki to bandu video na biso kobosana te kolinga musalo tozo salanga na yo linga osimbi esika batye musapi osimbi esika batye motema mpona kolobake olingi 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 tout alo ya video na biso kobosana te kosimba motema kosimba esika batye musapi tika nzamba pambola bino. Alléluia. Toza na kondima ke na tongo na lelo nzamba kosala bikamwa. Gloire. Na mabota na biso, na bandaku na biso, na bana na biso, na mibali na biso. Na mwasi ya ndeko na nga nzamba kosalela o bikamwa. Alléluia. Salut ta sœur, salut ton frère. Nous nous approchons vers ce Dieu en adorant son nom. Alléluia. Tozo loba tokolembate kokumisa ye tokolembate. Pambola et alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le grand roi. Nous ne nous fatiguerons jamais Seigneur à t'élever, à te glorifier, à t'adorer, à te suivre éternel Dieu, à nous accrocher à toi, à ne regarder que vers toi Seigneur, parce que tu es la solution, tu es la réponse à nos questions éternel Dieu. Alléluia, tu es le Dieu qui ne déçoit jamais ceux qui viennent au-devant de lui. Tu es le Dieu des solutions. Tu es celui qui dit mot et la chose s'accomplit.
qui change de poste et circonstance. Alléluia. Tu es le Dieu qui ne change point. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Tout passera, mais toi, tu ne passeras jamais. D'éternité en éternité, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu. Sois béni, sois glorifié ce matin. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Endormi, éternel Dieu, tu nous as réveillés. Tu nous as comptés parmi les vivants, Seigneur, pour faire le travail que nous sommes en train de faire. Sois béni, sois exalté, éternel Dieu. Sois béni pour mon frère, sois béni pour ma sœur. Sois béni pour nos maisons, sois béni pour nos vies. Sois béni pour nos continents, éternel et Dieu des armées. Sois béni pour tout, éternel. Si tu ne voulais pas, éternel et Dieu des armées, on pouvait pas, Seigneur, se tenir debout et mettre nos deux pieds sur terre. Il n'y a que ta bonté, Seigneur, ta grâce éternelle et Dieu qui nous a fait voir, Seigneur, cette journée. Nous te bénissons, éternel et Dieu. Nous te proclamons le roi des rois. Nous te proclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous te rendons les actions de grâce. En t'acclamant, en te louant. Alléluia. En t'exaltant, éternel. Oh, Jésus. En te disant que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Alléluia. Du débit, Seigneur, de cette terre, c'est que tu es Dieu. Gloire. Seigneur, du cheminement éternel de cette intercession, tu es Dieu. Oh, jusqu'à la fin, Alléluia. Seigneur, tu seras Dieu éternel et Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, de lundi, mardi, mercredi, Alléluia. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alléluia. Le Dieu de chaque jour. Tu es le Dieu de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, Alléluia. Septembre, octobre, Gloire. Novembre, Alléluia. Décembre. Tu es Dieu éternel. Gloire et Dieu. À toi, Seigneur. Tu es Dieu dans les temps anciens. Alléluia. Tu es Dieu dans nos jours. Nul ne peut se comparer. Alléluia, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons, le Seigneur des nations. Alléluia. Nous t'acclamons la lumière du monde. Alléluia. Nous t'acclamons le soleil Béni de la justice. Nous t'acclamons, le grand Dieu. Nous t'acclamons, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous t'acclamons la lumière du monde. Gloire. Éclaire-nous ce matin. Alléluia. Éclaire nos maisons. Oh, éclaire chaque maison, éternel Dieu. Éclaire Alléluia. Chaque personne, Seigneur. Alléluia. Importe les continents, Seigneur. Oh, éclaire-nous, éternel. Alléluia. Afin que nous puissions prier, éternel Gloire. Dieu. Dans la clarté, éternel Dieu, de ta Alléluia. Parole. Et dans la clarté, éternel Dieu, de ta grandeur. Alléluia. Sois béni. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Nous Merci, venons, éternel Dieu des armées, recommander, éternel Dieu, notre intercession entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Que ton règne soit manifeste, Yahweh. Règne éternel Dieu, règne l'homme de Galilée, règne du début à la fin, règne dans chaque maison, règne dans chaque vie, règne, Seigneur, dans chaque sujet de prière que nous allons donner, Seigneur, en ces lieux. Règne éternel Dieu dans nos paroles, règne, Seigneur, dans notre temps de louange et d'adoration, Seigneur. Règne Yahweh. Prends le contrôle de toutes les choses, éternel Dieu. Ne laisse pas, éternel Dieu, même les tierces de seconde, que le diable s'en empare de ça. Seigneur, règne, Seigneur. Règne chaque minute, chaque seconde, Seigneur, chaque heure. Alléluia. Que nous allons passer, Seigneur, au devant de ton trône pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang éternel qui coule en flot, éternel Dieu, en ces lieux. De là où nous sommes en train, éternel, de conduire cette intercession. Et dans chaque maison où le peuple de Dieu, où les intercesseurs sont en train de prier, que ton sang descende, éternel Dieu, Alléluia. Pour paralyser, neutraliser, Seigneur, tout cri des mondes des ténèbres, tout cri satanique et diabolique qui peut entraver, éternel Dieu, à notre intercession. Que ton sang les neutralise et les paralyse et les rende nuls et sans effet, Seigneur, contre cette intercession et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Yahweh. Nous invoquons ton feu, Yahweh. La Bible dit ceci. La Bible dit dans les livres Seigneur de Roi. La Bible me dit ces jours-là, Élie s'est levé. Il a dit ceci. Qu'on le sache en Israël qu'il y a un Dieu. Que le feu descende. La Bible dit le feu était descendu. Le feu a consumé le bois. Le feu a consumé les pierres. Le feu a absorbé
tout l'eau qui a été versée, Seigneur, dans ces fossés. Tu es le même Dieu. Toutes Alléluia. Sortes éternelles et Dieu. Le feu éternel et Dieu. Toutes sortes de l'eau satanique et diabolique. Toutes sortes, Seigneur, de bois satanique et diabolique. Oui, tout ce qui représente éternel et Dieu de pierre, Seigneur. Qui peut éternel et Dieu déranger notre intercession. Nous évoquons ton fait, Seigneur. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Nous évoquons ton fait. Que ton fait consume. Que ton fait neutralise le bois, l'eau et les pierres. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans chaque maison, toute présence satanique et diabolique. De là où nous sommes, toute présence satanique et diabolique. Que ton feu descende, que ton feu consume, que ton feu neutralise. Alléluia. Tel que c'était opérationnel, tel que c'était fait. Dans le mont Carmel, ça se passe maintenant, Seigneur. Alléluia. Que nos maisons se transforment au mont Carmel. Et que le feu de Dieu descende et consume Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Merci pour ta main puissante. Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Tu t'appelles Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Conduis-nous, Seigneur, à toute vérité. Cet esprit de Dieu vient. Nous avons besoin de toi. Affecte-nous. Vie, affecte chaque maison, affecte chaque intercesseur de là où nous sommes en train de prier. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Nous te proclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, juste. Le véritable Dieu, Joie. Le sondable. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Nous montons dans notre adoration. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour où nous adorons. Alléluia. Nous élevons notre Dieu. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi éternel. Gloire à toi Dieu glorieux. Gloire à toi les dieux puissants. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié à jamais. Alléluia. Sois élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom. Les créateurs des cieux et de la terre. Alléluia, les grands rois. Alléluia, les grands dieux. Alléluia, éternel. Tu es bon. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Jésus. Toi qui nous as encore compté une fois de plus parmi les vivants. À ce jour de sabbat, éternel, toi qui nous as renouvelé les souffles de vie. Alléluia, Hosanna. Tu es bon. Alléluia, Maranatha. Tu es bon, Maman, éternel. Partagez. Ne pas regarder à nos péchés, Seigneur. N'oublie pas de mettre la vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Et tu as regardé la disposition de nos cœurs, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Maman. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te glorifie, mon âme te bénit. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, les grands rois. Alléluia, les grands dieux. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant. Alléluia, éternel. Toi qui ne regardes pas nos péchés, mais à la disposition de notre cœur, éternel. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Tout passera, mais toi tu ne passeras jamais à l'éternité, à l'éternité. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Alléluia, Hosanna. Alléluia, tu changes de situation, tu changes de circonstances. Alléluia. Mon frère, ma soeur, monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Passage. Partage, n'oublie pas de partager, invite-toi à ta personne, à prier avec toi. Alléluia, alléluia. Parce que tu es la solution, tu es la réponse à mes questions.
Alléluia, Jésus-Christ, celui qui ne déçoit jamais ceux qui viennent au-devant de lui. Alléluia, les grands rois. Alléluia, les grands dieux. Alléluia, Jésus. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme te magnifie. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Alléluia, éternel de Dieu. Alléluia, le Dieu tout puissant. Oh Yahweh Nabama. Alléluia, le Dieu puissant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Les toiles brillantes du matin, les soleils levant. Alléluia, Jésus. Celui qui avait vu les ténèbres sur la terre et qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Le créateur de toutes les choses, c'est toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, les dieux glorieux. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les grands rois. Nous bénissons les grands dieux. Nous bénissons les seigneurs des seigneurs. Maman, papa, n'oublie pas de partager. Partage. Gagne 2, 3 âmes pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Maranatha. Alléluia, les préservés qui continuent de nous préserver de cette calamité, de cette pandémie, éternelle Dieu. Toi qui nous préserves de tout danger, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es amour, tu es compassion, tu es bonté. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, les grands rois. Gloire à toi, les grands dieux. Alléluia. Alléluia, éternel. Toi qui as éloigné, Seigneur, la maladie, loin de nous. Alléluia, toi qui as éloigné cette calamité, cette pandémie, loin de nous, éternel. Toi qui nous as préservés, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 61, verset 10, pour la gloire de Dieu. Ésaïe 61, pour la gloire de Dieu, nous prenons nos Bibles, nous lisons Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 10, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 10. La Bible nous dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences. Amen. Amen. La Bible dit, je me réjouis en Dieu. Je me réjouis à l'Éternel. Amen. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert de manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne des diadèmes, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Amen. Amen. La Bible dit, je me réjouis à l'Éternel. Nous devons nous réjouir dans cette adoration. Alléluia. Nous devons nous réjouir lorsque tu adores, tu te réjouis. Vous savez, il y a des fois, nous regardons toujours, nos yeux sont fixés toujours dans des choses que Dieu n'a pas encore accomplies.
Mais il y a des choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Il t'a donné du travail. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné beaucoup de choses. Il t'a gardé en vie. Réjouissons-nous de ces choses. C'est ça notre sujet d'adoration. Il y a un sujet dans la vie sur l'adoration. Il nous a gardé en vie. Bande koto bana ko sepela na tomo na lelo. Élevons nos voix. Commencez. Continuez à adorer le Seigneur. Sois dans la joie. Et dans cette joie, tu es en train de partager. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous devons avoir beaucoup de âmes pour la gloire de Jésus-Christ qui viendront nous rejoindre pour intercéder avec nous. Nous avons du travail à faire. Et ce travail, ce n'est pas une, deux, trois personnes. Même le nombre que nous sommes, c'est peu. Même le nombre que nous sommes, c'est peu. Car la Bible dit, et la nous élevons nos voix. Lorsque tu es en train d'adorer, tu es en train de liker, tu es en train de partager. Nous élevons nos voix. Continue à adorer le Seigneur. Alléluia, les grands rois. Alléluia, Jésus. Alléluia, éternel. Alléluia, Kolo nanya ngoti kala kana nyongwa moto te nzambe nazo pambola yo kolo soki natali ko mwana na ngai soki natali longu la nazana ngo eselisa kana tombola yo Yesu mwana na ngamo bimba na lekisa kyango kolo bazakolo makaka na zama life Yesu bazako benga na kufa lobi melobi yo pesinga bomoi Seigneur met arrive Seigneur. Arrive à l'hôpital, me déclara Seigneur, c'est positif. L'éternel est dit, m'a guéri, Seigneur. Et le connu, yo, pour les macosala, n'a qu'à t'a beau mon âme. Seigneur, je vis, Seigneur. Tu recevras des pandémies, Seigneur. Qui a soufflé, éternel Dieu, même dans ma propre maison. Mais Seigneur, je vis, Seigneur, ta main. Nous fait sortir l'éternel et Dieu, là où les autres tombaient, là où les autres succombaient, mais tu nous as fait grâce. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Je suis dans la joie en regardant mon mari, Seigneur, à côté de moi. Je peux que te dire merci, éternel et Dieu. Le diable a fait, Seigneur, ce qu'il pouvait faire, éternel et Dieu. Nous séparer, éternel et Dieu, dira 11, Seigneur, bonnes années, mais un jour tu t'es levé, Seigneur, tu as frayé un chemin, Seigneur, tu m'as ramener éternel Dieu. Tu m'as dit éternel Dieu, tu m'as accordé le visa. À ce temps-là, c'était difficile, Seigneur. Je n'avais pas l'argent, Seigneur. Mais toi, tu m'as payé les billets. Toi, tu m'as accordé le visa. Je suis arrivé, Seigneur. Deux ans après, Seigneur, en 2002, tu m'as fait porter la voile. Une fille perdue, éternel Dieu. Je voyais les autres se marier. Je disais éternel, le mariage était pour éternel. Moi, une fille qui a été engrossée. Mais Jésus-Christ est de Nazareth. Après des années, Seigneur, tu m'as fait grâce éternelle et Dieu de porter la voile, Seigneur. De voiler aussi mon visage éternel et Dieu. Que cet homme éternel vienne aussi éternel et Dieu. Élever cette voile, Seigneur. Oh Yahweh, ce qui n'a pas dit mon nez n'a yo. Yahweh, ce que l'on a tombé là. Aux abolis, éternel et Dieu. À 2007, tu m'as surpris, Seigneur. En 2007, éternel et Dieu, tu m'as surpris, Yahweh. Le Dieu, Seigneur, que j'avais imploré. En 88, éternel et Dieu. En 2007, tu m'as surpris. J'ai vu cette maladie, les autres tombaient, Seigneur. Et j'avais peur au-dedans de moi. Et toi, tu es venu, Seigneur. Tu m'as libéré de cette peur. Nani azalo kola yonza balola. Toto tombo la Yesu. Regarde de là où il t'a tiré. Regarde de là où sois dans la joie. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, éternel Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Papa, lis-nous toujours Esaïe 12. Verset 2 et 3 pour la gloire de Dieu. Invitez. Partagez au nom de Jésus-Christ. Amen. Esaïe 12. Amen. Verset 2 et 3 pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe. Au chapitre 12, verset 2 et 3, la Bible nous dit. Voici, Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez l'eau avec joie aux sources d'Isali. Amen. Amen. La Bible dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est sujet de mes louanges. Alléluia. Dieu est sujet de tes louanges. Tu ne peux pas manquer de phrases à dire. Okoki kozanga maloba kolobate. Tozo matana adoration na biso. Dans l'entretien, tu es en train de partager. D'inviter 3-4 personnes à prier avec toi. Tu es en train de dire à la personne, nous sommes en train de prendre possession de l'année. Ne rate pas ces séances de prière. Nous montons dans notre adoration. Il est notre sujet de louange. Nous sommes pleins de confiance parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Alléluia, c'est lui qui nous a soutenus, c'est lui qui nous a secouris. Ebenezer, élevons nos voix, adorons Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna be malamu, Hosanna bamuya, Hosanna bamikamu, Hosanna basolisu. Mo santu na lola, mo konzi na lola. Alléluia. Grand-mère, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois magnifié. Sois glorifié. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Parce que je vois, cette année, tu vas faire de grandes choses. Cette année, tu vas te glorifier. Cette année, tu vas ouvrir des portes fermées. Cette année, tu vas essuyer encore mes larmes. Cette année, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Éloigner cette maladie de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Acclame le roi des rois. Mon frère, ma sœur, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je ne vois pas, tu n'invites pas. Nous continuons à inviter. Inviter, partager Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 12, verset 1, pour la gloire de Dieu. J'ai lu la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12, verset 1, la Bible nous dit: tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Amen. Amen. La Bible dit ceci: tu diras à ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Que quelqu'un dit amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Il n'y a que Dieu. Quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau de sa colère, il n'y a que lui. S'il nous regarde, il peut apaiser sa colère contre nous. Amen. La Bible dit, tu diras, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Nous avons besoin de la consolation. Alléluia. Mais pour que nous ayons la consolation, il faut que la colère de notre Dieu soit apaisée envers nous, envers nos nations, envers nos pays, envers nos continents, envers nos églises, envers son peuple, envers ses assemblées, envers nos ministères. Parce que si nous regardons comment le monde marche, quelque part, notre Dieu est irrité.
Si tu regardes bien ta vie, tu regardes ta famille, quelque part, tu vas comprendre que Dieu est irrité. Mais il n'y a que lui. Si nous revenons à lui dans la repentance, sa colère va s'apaiser. J'ai la foi. Alléluia. Parce que la Bible me montre dans les livres de Jonas. Il a envoyé Jonas à Ninive pour aller dire je vais tuer. Sa colère était grande. Sa colère était vraiment élevée. Alléluia. Mais la Bible dit le roi de Ninive a pris la résolution d'appeler tout le monde à la repentance. La Bible dit la colère de Dieu s'apaisa. Même la personne qui a amené le message que Dieu va tuer, il était confondu. Oui, c'est ça la manière de notre Dieu. Lorsque nous revenons, quelle que soit la grandeur de sa colère, lorsque nous revenons, sa colère peut s'apaiser. Nous élevons nos voix. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ta colère s'apaise, Seigneur. Nous t'avons irrité dans ce monde, dans nos églises, par nos comportements, dans nos continents, dans nos familles, la manière d'agir. Seigneur, aie pitié dans nos maisons, nos enfants, nos parents, nous tous. Nous t'avons hérité notre manière d'agir. Aie pitié dans l'intercession pour tous. Nous montons, nous demandons pardon. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, oh éternel Dieu des armées, nous prions à toi éternel. Seigneur. Ayez pitié de nous, j'ai Yahweh. Hérité, ayez Seigneur, pitié, Seigneur. Ayez pitié de nous, Yahweh. La manière de ayez faire pitié, des Seigneur. Choses. Ayez pitié j'étais de nous. Hérité, ayez pitié, Dieu. Seigneur. Nous t'avons hérité par notre manière d'agir. Nous t'avons hérité par nos comportements. Nous t'avons évité, Jésus de Nazareth. Ayez pitié, Seigneur. Seigneur. Selon ma volonté, éternel de Dieu. Ayez pitié de nous, maman. J'étais irrité, ayez pitié Seigneur. De nous, papa. Ayez pitié hérité, de nous, Jésus. Éternel de Dieu. Ayez pitié de nous, Seigneur. Pitié, Seigneur. Ayez pitié de nous, Yahweh. Pitié, nous crions à toi, Dieu. Seigneur. Nous crions pitié, à toi, l'homme de Galilée. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous demandons pardon. Jésus. Nous demandons pardon. Pardonne mon comportement, ma façon de faire, ma façon d'agir. Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié, pitié, Seigneur. Yo que la biso mawa. Pitié, yo que la biso mawa Dieu. Kolo. Yo que la biso mawa Moussantou. Pitié, yo que la biso mawa, Seigneur. Seigneur. Yo que la biso mawa. Kolo tozo pitié, se na mawa. Jésus. Kolo tozo pitié. Se na mawa. Mawa na yo, pitié. Seigneur. Mawana yo kolo, mawana yo Seigneur, pitié, mawana yo Yahweh, mawana yo kolo, tozo senga pitié. Mawana yo, nakacha bomo inabiso, pardon, tozo senga mawana yo, nakacha bomo inabiso, tozo senga mawana yo, tozo senga mawana yo. Tozo senga mawana yo, dans nos assemblées, nous demandons pardon Seigneur, nos ministères, nos assemblées. Nous demandons pardon, Seigneur. Pitié. Nous t'avons hérité. Nous avons marché, Seigneur. Nous t'avons hérité. Contrairement à ta parole. Nous t'avons hérité, Seigneur. Seigneur. Nous t'avons hérité, Yahweh. Oh, nous t'avons hérité, Seigneur. À tes recommandations, Seigneur. Notre manière Jésus. D'agir, Yahweh. Ayez pitié de nous, Seigneur. Pitié. Notre façon de se comporter, pitié, Yahweh. Jésus. Pitié de nous. Pitié, ayez pitié. Éternel. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié de nous, Yahweh. Tozo senga mawana yo. Lolenge na biso akozala. 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 Lolenge na biso. Lolenge na biso akozala. Yesu. Lolenge na biso. Lolenge na biso. Yahweh. Lolenge na biso mawa. Tozo senga mawana yo. Tozo senga grâce na yo. Pitié. Miséricorde na yo, Yahweh na bon monde, pitié Seigneur, Yahweh na moya, Moussa na lola, yo que la biso mawa, yo que la biso mawa, Masal na zabe mawa, Mangomba na yo mawa, oh Yahweh, pitié Seigneur, pitié les grands rois, pitié les grands oh Yahweh na bon monde, pitié, yo que la biso mawa, pitié Seigneur, la biso mawa, yo que la biso mawa, que la biso mawa. Pitié Jésus, pitié, pitié, pitié les grands rois, pitié les grands dieux, pitié Seigneur, pitié éternel, Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh pitié de nous, Seigneur, pitié, pitié les grands rois.
pitié, Jésus. Pitié de nous. Maman prie, papa prie. Maman prie, papa prie. Maman prie, papa prie. Nous montons. Nous sommes en train de dire pardon. Nous sommes en train de dire pitié. Hey Yahweh, hey Amina, Oma moto Yahweh, Oma moto Kolo, Oma moto Yahweh, Oma moto Seigneur, Oma moto Kolo, Yoke langama wa, Nazo senga golu, Nazo senga grâce na yo, Nazo senga miséricorde na yo, Nazo senga compassion na yo, Oyoke langama wa, Banana langama wa, Mobali langama wa, Baleki langama wa, Et que ce soit pour tous ma wa, Éternel Dieu des armées, nous crions à toi. Nous crions, Seigneur. Oh Yahweh, oh Yahweh, Seigneur. Aie pitié. Pardonne ma maison. Pardonne ma femme, mes enfants, mes petits enfants. Pardonne ma famille, ma belle famille. Pardonnez-nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous approfondissons notre repentance. Papa, lis-nous dans 2 Corinthiens 10. À partir du verset 1 jusqu'à 3 pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10. Verset 1 jusqu'à 3, la Bible nous dit. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein d'hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose, disait contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Amen. Amen. Ça, c'est Paul qui écrivait la lettre. Et dans cette lettre, il a envoyé cette lettre. Il disait, non, moi Paul, je me comporte envers vous avec douceur. Humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je ne suis pas loin. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Paul voulait dire, je ne veux pas faire de ce que je ne suis pas. Donc me comporter à semblant, c'est ça la vie des chrétiens. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, nous sommes des chrétiens, nous sommes des intercesseurs, nous prions. Mais lorsque tu es seul, tu te comportes comment? C'est ce que Paul voulait leur dire. Il dit non. Non. Si nous descendons à deux, il dit ceci, il dit non. Je ne veux pas vivre la vie des semblants. Je ne veux pas ce que je ne suis pas. Donc je le fais parce que vous êtes là. Non. Même si vous n'êtes pas là, je me comporte la même chose. Parce que je ne suis pas spécial. Oui, les chrétiens, beaucoup de portes sont fermées à cause de ça. Lorsque nous partons à l'église, nous sommes douces, nous sommes humbles. Lorsque nous retournons dans nos maisons, surtout les mamans orgueilleuses, une maman qui prie, même ton mari dit, lorsque tu pries là, tu me déranges. Parce que ta manière de dire, ta manière de répondre, ta façon d'être, ça ne me convainc pas que tu pries. Non, maman, ça ferme les portes et ça empêche que nos prières soient exaucées. Nous élevons nos voix. Oui. Nous allons crier à Dieu. Que l'Éternel ait pitié de nous. Que l'Éternel ait pitié de nous. Parce que nous changeons. Lorsque nous sommes quelque part, nous avons notre attitude. Mais lorsque nous retournons dans les autres endroits, nous changeons. Nous sommes comme des caméléons. Élevons nos voix.
qui ont à Dieu, Seigneur, ayez pitié. Cette année, je ne veux pas être le chrétien de Sambla. Je ne veux pas être intercesseur de Sambla. Éternel, je prie seulement lorsqu'il arrive 11h parce que nous prions. Il y a même des fois, lorsqu'on prie, moi, je rentre dans la cuisine. Moi, je sors. Je suis distrait. Seigneur, je ne veux pas être chrétien Sambla. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, élève ta voix, mon frère, ma sœur. Élève ta voix, Jésus. Élève ta voix, maman. Bonde la maman langage, surtout biso ba maman, surtout biso ba maman intercesse. Eh, to se nganza me mawa, to se nganza me mawa, to se nganza me mawa. La vie de double vie, Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, cette année, je ne veux pas vivre cette double vie. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas vivre cette double vie. Cette double vie. Seigneur, double vie. Seigneur, cette double vie. Je ne veux pas me comporter autrement. Je suis une autre personne. Je suis en dehors. À la maison, je suis en présence de Dieu. Éternel et Dieu, ayez pitié de moi. Ayez pitié. Pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Non, Éternel. Ayez pitié de nous. Ayez pitié, Seigneur. Allez-vous. Ayez pitié de nous. Ça me comporter autrement. Ayez pitié, Seigneur. Viens prendre place au dehors de moi. Jésus. Que ce soit l'endroit où je me trouve, Éternel. Ayez pitié de moi. Oh, que je sois digne de toi, Éternel. Ayez pitié. Que je sois digne de ton nom. Pitié. Pitié, le grand roi. Pitié, Seigneur. Pitié. Pitié, Jésus. Pitié. 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 Pitié, Éternel. Alléluia. Pitié, Jésus. Alléluia. Pitié. Alléluia. Pitié. Pitié de moi. Et pitié, maman, toi qui intercède au gang de la Moubali, maman, toi qui intercède dans ton travail, pitié, tu as un mauvais témoignage, pitié, ils ont un mauvais témoignage de toi, pitié, oh Yahweh, et pitié, pitié, et pitié, Seigneur. Et pitié de nous, pitié, et pitié. Pitié, grand roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, allez dans toutes les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous savez, chacun de nous peut gagner les âmes. De là où tu es. De là où tu es en train d'évoluer. Dans ton immeuble. Partout. Là où tu es en train de travailler. Tu peux gagner des âmes. Mais pourquoi nous ne gagnons pas des âmes? Notre comportement. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons toujours l'habitude de se témoigner de nous-mêmes. Non, le témoignage, ce n'est pas seulement ce que toi tu dis, de ce que tu es. Le témoignage est témoignage lorsque les autres aussi témoignent pour toi. Lorsque les autres, c'est pour cela, ce jour-là, Jésus-Christ, il n'avait pas eu froid aux yeux pour demander à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi, maman? Reste paix dans ta maison. Reste paix dans ta maison, au milieu de tes enfants, dans ta famille. Pose-leur la question. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Jésus. Qu'est-ce que vous disiez de moi? C'est là où tu sauras ton identité. Reste pas face de ton mari. Sans sentiment, dis à ton mari, qu'est-ce que tu dis de moi? Jésus-Christ l'a fait. C'est ça qui nous amènera à la perfection, à l'image de Dieu. Il faut aussi écouter les autres et parler. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Même les petits-petits, il y a d'autres qui te diront, maman, tu es lionne. Maman, ta manière de parler là, ça va droit au cœur, ça me fait trembler. Tu sauras qui tu es réellement. Papa, reste pas à la face de ta femme, demande. Là où tu travailles, qu'est-ce que vous disiez de moi? Vous me voyez comment? Mes frères et sœurs, j'étais étonné. Un jour, je suis allé faire seulement les entretiens. Je suis allé à la recherche du travail. Ils m'ont donné 7 à 6 papiers. Ils m'ont dit, les papiers là, toi, tu vas remplir. Et tu vas donner à 3-4 personnes. Que ces 3-4 personnes là, disent de toi, qu'est-ce que tu es? Par rapport à ça, on cherchera le travail qu'il faut. Donc pour dire, c'est ça qui nous amène à la perfection. Maman, approfondis ta prière. Approfondis ta repentance. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre la vie de Sambla.
Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui. Seigneur, change ma vie. Oh, dans cette année de 2021, Seigneur, change ma vie. Seigneur, taille-moi. Donne-moi la forme qu'il faut, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, puisse te donner gloire, éternel et Dieu. Que les autres puissent être attirés vers toi à travers moi. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, et Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel et Dieu. Nous avons besoin de toi. Maman, Toto, Matana, Maman, de l'Inabis. Aujourd'hui nos églises, aujourd'hui nos églises sont critiquées. Aujourd'hui ton assemblée est compliquée et critiquée à cause de toi et moi. Notre manière d'agir, dans ton immeuble, je vais rentrer dans l'ascenseur. Tu ne salis pas les gens. Tu es compliqué. Nous sommes mauvais. Yahweh, pitié. Oh, Yahweh, pitié. Je vais refléter ta voix. Alléluia, Seigneur. Partout où je serai, je vais être digne de toi, Seigneur. Seigneur, yoke la mamawa. Yesu, yoke la mamawa. Yoke la mamawa. Je ne parle pas de toi. Tu vas t'aligner. Mamonina l'olène. Oh, je vais te dire de la. Lorsque je parle, quelque sale menace, Yahweh, aie pitié. Yahweh, délivre-moi, l'Éternel. Yahweh, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon mari. Pardonne nos églises. Pardonne les chrétiens. Pardonne l'intercession pour tous. De la haine, de la jalousie, de la colère. Pardonne-nous. Alléluia. De mauvais comportements. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 17, versets 11 à 13, pour la gloire de Dieu. Lévitique 27. Nous prenons nos Bibles, comme Maman Victoire le dit tous les jours. Prenons nos Bibles, partagez. Lévitique 17, 11 à 13, pour la gloire de Dieu. Amen. Lévitique 17, alléluia. La Bible nous dit dans les livres de Lévitique, au chapitre 17. Lévitique 17, à partir de 11 jusqu'à 13. Au verset 11 et jusqu'à 13, la Bible nous dit. Et je les retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Amen. Amen. La Bible nous dit à ce temps-là, Dieu a interdit de manger le sang. Pourquoi? Parce qu'il avait dit l'âme de l'homme se retrouve dans le sang. L'âme sert pour l'expiation du péché. Cela veut dire qu'il y a la vie dans le sang. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que l'homme mange le sang ou boit le sang. Parce que là-dedans, il y a la vie. Il y a la vie dans le sang. C'est pour ça que nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus donne la vie à nos membres mortels. Vous savez, lorsque nous péchons, nous sommes considérés comme des morts, des cadavres. Mais il y a seulement à travers le sang, parce que le sang, il y a l'âme. Il y a la vie de Dieu dans le sang. Il y a la vie de notre roi dans le sang. Et lorsque nous pleurons le sang, nous recevons la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir la vie? Nous allons plaider le sang de Jésus. Quelqu'un qui a besoin de la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Toutes choses mentent dans ta vie. Makamonyo se koufina katia bomo inayo. Ta matrice ne marche pas. Ta féminité ne marche pas. Papa, tout ne marche pas dans ta vie. Tout ce que tu fais ne marche pas. Oui, ta maison ne marche pas. Ta santé ne marche pas. Parce qu'il n'y a plus la vie.
sauver vous là où il a pris la vie. Il n'y a rien qui bouge, rien ne marche. C'est pour ça que nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous donne la vie. Nous avons besoin de la vie. Que le sang de Jésus donne la vie dans nos continents. Donne la vie dans nos assemblées. Donne la vie dans la vie des hommes de Dieu. Donne la vie partout, partout. Que le sang de Jésus nous donne la vie. Plaidons le sang de Jésus, prions au nom de Jésus Christ. Oh Yahweh, nous plaidons le sang de Jésus. Nous obéissons la maquila na yo kolo. Nous obéissons la maquila na yo Yahweh. Nous obéissons la maquila na yo Seigneur. Nous obéissons la maquila na yo. Nous obéissons la maquila na yo Yahweh na bomo. Maquila na yo Seigneur. Et pesanga bomo. Et sokola banana ngai. Mobile na ngai. Et pesa bomo. Le sang de Jésus dans ce monde. Donne la vie oh, dans Seigneur, nos églises, j'ai besoin de ton sang. Le sang de Jésus, que ton à cause sang me purifie, me rassemble devant toi. Nous sommes des morts, de toi, nous marchons comme des morts. Que je puisse, le sang de Jésus, à tes le sang de l'agneau, le sang de la délivrance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans l'intercession pour tous, que nous soyons des modèles. Donnez-nous la vie, Seigneur. Donnez-nous la vie, Yahweh. Donnez-nous la vie, Seigneur. Donnez-nous la vie à travers ton sang. À travers ton sang, à travers ton sang, à travers ton sang, donne-nous la vie, donne-nous la vie, donne-nous la vie, donne-nous la vie, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 10, verset 43-44 pour la gloire de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Actes. Des Apôtres, chapitre 10, au verset 43, la Bible nous dit. La Bible nous dit, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Amen. Amen. Papa, relis encore pour la gloire de Dieu. Je relis la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 43-44. 10 au verset 43-44, la Bible nous dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Amen. Amen. La Bible dit on rendait témoignage de Jésus. On rendait témoignage de Jésus, la Bible dit, tout ce qui était, les prophètes rendaient les témoignages de Jésus. Et la Bible dit ceci, lorsqu'on parlait de lui, la parole de Dieu, lorsque les disciples le transmettaient, la Bible dit ceci, le Saint-Esprit était descendu. Vous savez, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux pas rester les mêmes. La Bible dit même les païens étaient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je dis, je le répète, maman, nous n'avons plus le temps à perdre. Même dans les bus, dans les trains, parlez de Jésus. Partout, nous n'avons plus le temps à perdre. Moutoua Kangayote. Si une personne t'avait dit de ne pas parler de Jésus, aujourd'hui dans l'intercession pour tous, je te dirais, nous devons parler de Jésus. La Bible dit ceci, ces jours-là, lorsque Pierre parlait de ce Dieu, il y rendait les témoignages que les prophètes ont rendus. Il parlait de la parole de Dieu. La Bible dit seulement à cause de la parole. On n'a pas imposé les mains. On n'a pas imposé les mains. Mais seulement en écoutant la parole, la Bible dit ils étaient affectés. Le don du Saint-Esprit était leur partage. Nous voulons prier le Seigneur que l'Éternel puisse déverser sur nous les dons spirituels. Les dons spirituels soient notre partage. Alléluia. Les dons spirituels dans ta maison. Même oui, celui qui ne croit pas, les dons spirituels doivent être son partage.
prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, oh Yahweh, nous sommes en train de prier, Seigneur, ce matin. Bien, nous crions à toi, Éternel et Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel et Dieu. Nous écoutons ta parole, Seigneur. Nous écoutons ta parole, Éternel et Dieu des armées. Nous avons besoin d'être remplis. Remplis, Seigneur, revêtis de l'Esprit de Dieu. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, viens me parler, viens m'enseigner, viens m'éduquer, viens me corriger parce que je ne connais rien. Alléluia, 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 alléluia. Mettre ta parole dedans de moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire quelques prières que nos frères sont en train d'écrire. Nous allons lire trois sujets de prière et nous allons prier. Il y a un de notre frère qui a écrit: Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Donne-moi des témoignages de l'amour et de la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Donne-moi des témoignages de l'amour et de la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions que le Saint-Esprit de Dieu donne les témoignages de l'amour et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela moli mona nzambe. Ape sa biso, toza na besoin na ye. Ape sa biso, témoignage. Ya bolingo pe ya puissance ya ye. Pe ya puissance ya ye. Ya bolingo pe ya puissance ya ye. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh, Yamashé Kebalaba. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur nous a écrit. Elle a écrit sa la prière que nous allons faire maintenant. Seigneur, déverse les dons spirituels dans ma vie. Nous allons demander le don spirituel dans notre vie, les dons spirituels dans nos églises. Aujourd'hui, dimanche, les dons spirituels soient manifestes. Quiconque va s'élever sur l'autel de Dieu pour parler de Dieu, que la chair ne parle pas, mais que les dons spirituels soient déversés. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, oh Yahweh, j'ai besoin de toi. Moi éternel et Dieu, à ce jour de dimanche, partout dans les églises, dans les assemblées, dans les endroits où on est en train de prier. Seigneur, remplis-nous, éternel et Dieu. Remplis-nous, Seigneur, des dons spirituels dans nos assemblées. Quiconque fait quelque chose, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit manifeste, que les dons spirituels. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une sœur qui a écrit, je ne sais pas si une sœur ou un frère, Emmanuela, il nous a écrit: remplis-nous de tes dons, Saint-Esprit, pour être les témoins. Nous allons prier le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu fait de nous les témoins. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Eh Yahweh Nabamoy, tous au bel et la yo, na tongo na lelo, salabiso ba témoin, na ma mouma, salabiso ba témoin, na ma église, salabiso ba témoin, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Acclame, pour que je sois ton témoin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour une sœur qui a été déjà promis qu'elle devait recevoir sa nationalité, mais après un jour, on l'a appelée au téléphone. Lorsqu'elle a répondu, on dirait que ces gens-là étaient en bas. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont cherché, ils n'ont pas vu les gens qui ont téléphoné à la maison. Après, elle a commencé à prier, moi, comme avait promis déjà. Parce que là où elle est, lorsque tu promets la nationalité, si on ramène ça, on ne peut pas laisser seulement dans la boîte aux lettres, on t'appelle. Il y a des fois, on monte jusqu'à la maison pour te donner cela. C'est là où depuis l'année passée et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore eu la réponse favorable. En priant seulement, en intercédant, Dieu a donné la révélation à notre sœur. Elle a vu qu'il y avait des gens qui sont venus pour
lui remettre les passeports. Et c'était le passeport rouge. Elle, elle ne savait pas que l'endroit où elle est tentée d'habiter, la nationalité, les passeports de ces pays-là, c'est rouge. Et elle a vu d'autres hommes surgir. Ils ont bloqué, ils ont barricadé pour chercher à ravir. Elle ne sait même pas si elle était tombée, si elle avait perdu les passeports ou elle avait récupéré. C'est là où elle a sursauté. Elle a demandé qu'on puisse la soutenir. C'est notre sœur de l'intercession pour tous. Nous allons prier. La Bible dit Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet quelque chose, elle réalise. Que la main de Dieu soit manifeste. Quels que soient les agents, les douaniers du monde des ténèbres qui ont pu posséder de la réponse que Dieu a envoyée, qui lâchent prise par le sang et par le feu. Priez pour notre sœur, au nom de Jésus-Christ, ô éternel et Dieu des armées, nous sommes en train de prier, Seigneur, pour notre sœur éternelle, qui a dit là où vous êtes, la place de vos pieds, je vous la donne en possession. Éternel, il n'y a que toi, Seigneur, lève-toi, éternel, agis. Moi, je sais, tu as agi, Seigneur, dans la vie de notre sœur, Seigneur, que son passeport soit libéré. Que son pasteur soit libéré de tous les agents des ténèbres, que les voleurs soient battus, que les voleurs soient détruits par le feu et par le sang, par le feu et par le sang. Laissez-la au nom de Jésus, par le feu et par le sang. Qui libère, qui lâche prise, et c'est là au nom de Jésus. Nous récupérons les passeports de notre sœur, nous remettons cela à notre sœur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. À la gloire et au témoignage. Nous voulons écouter les témoignages. Alléluia, le grand roi. Pour la gloire de Dieu, nous voulons écouter les témoignages. Alléluia, le grand Dieu. Nous voulons écouter, acclamer, acclamer, acclamer. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous voulons écouter les témoignages pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire. La vie de l'intercession pour tous. Dieu est celui qui connaît les ténèbres et la lumière habite en toi, en lui. Il y a un témoignage grandeur et en Zambé là où il y a salé témoignage où il y a présenté à présent. Il y a témoignage où il y a daté de 1994. Alors il y a eu un de mon petit frère Azalaki Katinangai. Petit Oyo Azalaki na projet il y a ça là pour fournir bah instrument médical na na hôpital ya grand sœur nangai. Alors après c'est un projet on appelle la vie non voilà toujours en famille ils a bien bossé les locaux tant que ça c'est une dingue wana et que Azalaki na bon côté mais c'est qui na il devrait aller recourir à une banque tant qu'on recourir à la banque on a banque on a signé. Il faut qu'il ait un témoin. Lui qui n'a jamais n'est pas dans la langue, il y a besoin de la témoin. Mais bon, ça va, on a besoin de témoin. Bon, tout est bien. Donc, comme il y a la banque, le banquier qui me dit maintenant que voilà que c'est vrai qu'on s'est présenté, voilà que nos conditions. Autres en amont, qu'il faut répondre en amont, qu'aux comptes, il y a eu, on a eu la banque, la vie. Non, non, non. Là, il y a eu la banque, la vie, non. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu. Parce que mes relations dans la banque, elles sont tellement efficaces. Je peux passer tant de temps dans le salon de l'eau. Alors, les banquiers directement, ils nous ont donné un refus. Tant qu'on peut se faire un refus, toujours, ils ont donné un refus. Tant que tu as mis un refus, ils ont donné un refus. Tant que tu as mis un refus, ils ont donné un refus. 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 Il y a des banques qui ont été recourues à la banque. Tant que vous recevez la banque directement, vous pouvez vous faire un peu. Ok.
voilà comme dans un mot et bon aussi qui la chèque bon aussi et qui n'a virement bancaire dans le bon problème là le jour suivant là il y a qui dans une bon mois dans une qui la banque là sur la chèque voilà à part après là vous touchez les qui n'a pas de caisse quoi ti et si quand vous êtes bamba aussi consomme bamba instrument ou vous allez dans la pour ça donc comme il connaît bah et bien sûr voilà les instruments ou vous allez dans vous allez prohibir beaucoup vous allez dans la pour la binote et en plus c'est cela sur bino vous sommes bamba mais c'est mes bisous to remplir bino de ma condition ou alors to remplir des locaux yo to l'optique la bino bah instrument ou na et si quand ou yo l'agent sur mon côté là parce que instrument ils allez prohibir vous allez docteur vous allez infirmité bon oui, quand tu sais toi c'est tellement important parce que bah instrument oh yo ils allaient vraiment délicat c'est mieux que bien nous accompagner bah accompagner en mode bah puis par condition bah accompagner en mode nous et jour où nous beaucoup m'approche il y a beaucoup de comme ça bon quoi viser mission jour où quand on est comme qui peut proche on a toujours quoi viser bah nous bah je peux instrument bah il outil qu'il y a où à part après les qui t'as voyagé t'as moi voyagé on a à quoi vous dites comment petit là-bas qu'on a retourné à quoi ma bonne Bruxelles bah quand il tant bah quand il on va rapatrier tant bah rapatrier on a na bah tant on a bah la moko on s'y couille on a dit qu'elle est comme responsable pour faire un bon moment la seule tant on a celle de mon aïe beaucoup moins en 1996 on a qui envie qu'elle a nos joies tant laquelle nos joies qu'on a mis invité à part après la zone mais tant laquelle pour nos joies et s'il m'a quitté à part après s'y couille on a signé mon bon on va plus signer à passer que $30 na mambo mwenye sula oye bloko mwenye sula na zungi siko tena na zungi na mapoto na zungi usikipiso na makamuwa na tena na tika ya mwa ya mleki na mwa ma makumeleki batani mingi ya mleki ba nusapa ya mwisi kuma enju mleki na mwa msusu kwa ayo bisangani wala keno mleki na mwa o msusu ayo bisangani wala ke yiba kama o vi azo kutela ba makambo yu paseke kala ba mwa ba frulana na masuwa ba yaki na mapoto aparapre ba rapatreke ba mwa ba keno kota ba na ba na ba mizu na ba mitenge ya mwa na miloko wana ya kumungo zongi na ba mwa bon na zo na na so kipangu na makambo wana te mleki wana nga na tali kaka wana ya ba makambo mwa itali ye siko yo tant que l'on a quelque chose ensemble, on a comme ensemble la bobine. Mais un jour, quand deux vous avez maté, il y a Daniel, sans même n'a visé la maman Kamoli qui n'a rien à dire, n'a aucun motif. Un bon jour, la maman maté, il y a Daniel, tant que les caca, n'a pas son assaut, je m'ouvre la gueule, la naïve mon arabe aboué, la gueule, on a la namouni, les qui n'a rien à se détailler. Muto zo betaye azu nzo muna ite azu kolela a parapre ngana na la muka na tuna leki na ngana na ngo muto zo betaye pona nzo lela pona ni me parapre nata na ngana tuna yimu mbala muna muna esprit moko e glase ngai mwani na lo bezate me esprit de Dieu e ko intervenir e ko lwala ngai wala mula muto zo betaye leki na yo komo na ye inter a mbala muta na kama ki kumba muto na mbala moko e muto wa biti susute blé qui n'a pas tigou pour les alors malamouko n'a sursauté n'a pas tia n'a ta divan n'a quitté n'a mis amené n'a mis tigre ensemble n'a eu ensemble la wana tant on a ensemble la wana mais là je me demandais parce que moutou n'a mou n'a dit oh il va y combo bal batou n'a moutou n'a et n'a yébi 45 ans passé alors si pour vous pour moutou n'a yé n'a sous le lo yo n'a ou n'a dit ma kamo absurde mais nasambe la jika kama la nacia kia mopeza ufode mokerte eko leka mwashu na tomu tanga na muki na lali na gana tomu na muki na kia musala tanga kumi na musala buwe na yako mwela shikoyo na vandi na limana na mini 5 na vandi mwela yu na batono moko na mini 5 na mwoyi na zota la mwiko na yu ka batono moko iso bourdone babutono mwengi na gosi na gana tango iso bourdone wana ambara moko na saprete atansu na batono na ambara moko na muna na yu ka esprit moko na sentir esprit moko so ko kota na sima quand je parle de sima bon sima pina ya sima ya mutu et so ko kota na sima na limo no makamu fo na tele ma ota tam tele mi kabi no mon corps est le temple du saint esprit mbara moko ba tolongo e kati on a continué prier mais na tsaki ya mbunza kati na mi ke bona ke na binu peta tem je zale il y a ma sensation moko indésirable parce que le goût de nous ça la dignité sur que te bali ko sala ya mbuna ndio te komo sala ba kambo moko ya ndenge ya lingi ah et pour le corona sur la vie na sunda na ndako mais toujours je me demandais mais qu'est-ce qu'il y a mais pourquoi ça na ina ndako na kula donc na nani na butu na lamuki na tongo na ke musala tala ke musala na même 12
12h05 alors si quand vous me excusez pour la nuit et vous vous dire c'est ma maramoko la télémi la bandit sous prière la bandit prière la bandit prière maramoko et au cas tant au cas tu vois là a la maramoko a visé plus na ma mindele na min oh ma kamo yo visa mo ma mindele ka bazo sala ngabo bazala kanda contre ngai na tiki na ngabo na yé si ko na nda ko tana na nda ko na ko na na nda nda na bisete na ko la la bona butu directement on se retrouve dans une grande entreprise de mission dans une grande entreprise de télémigoué ma camarade a besoin d'aller bagarre comme un musicien n'attend pas mal à mon corps ni à mon corps au côté mais ni à mon âme à son décapatu ni au second dans une demande mais comment se fait-il que ni à ma corps à ni à ma comment se fait-il à comment se sou qu'au côté dans cette entreprise pour te la forêt de haut non mon ni à mon corps l'équipe m'a mené et ni à mon âme à jouer la direction là bas n'attend pas mal à lui sinon n'attend pas mal à lui boy et lui y a mon tout. Et nous avons dit que 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 nous avons dit azu akola nyama memutu ya mutu ya mutu oyo penza izateke ya bomba mi azu kupusa na kama azu kupusa na bomba la moko na ju instrument moko izaki wana eza instrument moko na bato moko na diske moko bodante na moko mi kubita ya moto na azu kubudisa wana me par après ba mindele bazaleki na pumbene et ce qui était drôle ba mindele bazaleki na pumbene wana ni okina ba wana kokote na ba tele mi amazo sokipe na wana malomu na rete na azu kukontinue kubudisa nyama ngo na azu kontinue kubudisa ngoti nyama ngo ay ko ufa maramoko na ko si soki na mbili na na ta butu na mbuga oh mais comment se fait-il ma kamba demo jeu de kilimana do oui nzambi si ko affirmer na bana ke mutu oyo aya oyo mona ki na butu wana mutu ngo oyo ko ba no betale ki na yo yeyo au moni si ko mutu ngo atombo ki parce que yo au mona ki tant yo moni ya mona na ko ko te na butu mende en vrai sens yo tant yo prier ki na mo yo wana et c'est pas là ni yo yo mona ki vous savez à l'imoutou le roka n'a pas moutou pour y est bâti monaté notamment à Koufaki yamon a retombe le combat zambé il a posé une pessimino maman Cameroun est pour y bâti toi bâti zambé à zalin zambou à la sarani au sujet de la ténèbre la tombe l'in zambé la nuit sur le congolais sur le béli amen amen. Nous acclamons les seigneurs, acclamez très très fort les seigneurs. Mes frères et sœurs, acclamez très très fort le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'il y a un papa qui a témoigné. Il est le premier papa qui a témoigné. Nous acclamons le Seigneur. Acclamez très très fort. C'est notre premier papa qui a témoigné dans l'intercession pour tous. Non, pas notre premier papa, c'est deuxième papa. Il y a aussi un papa qui a témoigné, ça fait longtemps, mais il est le deuxième papa parce que les papas n'ont pas vraiment l'habitude de témoigner. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce témoignage. Amen. Je vais essayer un peu de résumer les témoignages. Après, on va prier. Notre frère nous a relaté les choses qu'il nous a relatées. Son témoignage, ça date depuis 45 ans. Donc, depuis 45 ans, comment il a expliqué un jour, son petit frère est venu. Donc, ils sont ici en Europe. Son petit frère est venu pour lui proposer que nous voulons monter l'hôpital. Donc c'était l'histoire de monter l'hôpital, c'est là où il fallait acheter les appareils pour aller monter ça en Afrique. Et à la banque, son petit frère est parti, on a dit à son petit frère, nous voulons un témoin. C'est là où il est venu chercher notre frère de l'intercession pour tout ce qui est son grand frère et ils sont partis là-bas à la banque. Et la manière où ils avaient proposé de faire leurs choses à la banque, notre frère n'était pas content. C'est là où ils sont sortis, son petit frère boudait un peu, mais il a dit, moi j'ai mon conseiller à la banque, je vais lui proposer, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. C'est là où arrivé là-bas, son conseiller a fait à son nom, donc il a pris la dette à son nom pour acheter des matériels. Ils ont acheté des matériaux jusqu'à ce qu'ils soient partis, ils ont fait des démarches, tout, ils sont venus livrer, et même ils ont mis ça à la douane, et c'était parti à Kinshasa.
Lorsque son frère, son petit frère est descendu maintenant pour monter l'affaire qu'ils avaient résolu, qu'ils avaient projet de faire, en retournant ici en Europe, c'est là où il a été arrêté et il a été rapatrié, donc refoulé. Et notre frère, lorsqu'il a cherché de retourner pour chercher son frère, lui aussi, il a été arrêté là-bas. Là, c'est longue histoire, on passe. Mais après, comme son frère était arrivé ici en Europe à travers les bateaux, donc, ils sont partis faire des gris-gris parce que la première fois, son petit frère était arrêté et la deuxième fois, ils ont quitté l'Afrique jusqu'ici en bateau. Donc, ils étaient partis voir des féticheurs, ils ont fait des gris-gris pour qu'il arrive ici. Et il était, ils avaient fait avec son ami. Et son ami est resté. Le petit frère de notre frère, lui, il est arrivé ici en Europe. Donc, il y avait déjà des problèmes parce qu'ils avaient fait cette alliance-là. L'autre est venu, l'autre est resté. Et c'est là où notre frère aussi s'est engagé. Il est resté maintenant payer la dette qu'il n'a pas profité parce qu'en retournant Kinshasa, lorsqu'il a cherché, mais l'affaire qu'on a montée, donnez-moi quand même quelque chose parce que vous avez travaillé. On lui a donné seulement 30 dollars. Non, ça c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a suivi maintenant la parole est sur lorsqu'on a parlé de Daniel, les esprits qui sortaient des eaux, les hommes animaux, c'est là où il a compris maintenant. Lui, il a compris. Et un jour maintenant, après avoir prié, après 23 heures, c'est là où il a vu dans son songe que son petit frère, il y avait quelqu'un qui était de les taper. Et dans ce songe-là, elle a vu maintenant la personne qui tapait son petit frère, c'était les camarades de son petit frère-là. Ah, elle s'est posé la question, comment je peux revoir cet homme après 45 ans? Je n'avais même pas l'idée sur lui. Et c'était fini. Comme il avait vu cet homme-là la nuit, il fallait maintenant que cet homme-là vienne maintenant l'oppresser, l'attaquer. C'est ce qu'on appelle des oppressions. Arrivé maintenant au lieu de travail, il nous a expliqué le temps de repos. Il est parti manger. C'est là où il a senti, c'est comme s'il y avait des présences mystérieuses. Et il y avait quelque chose qui cherchait à s'introduire derrière lui, comme il a expliqué là. C'est là où il a prié, il a dit mon corps et le temple du Saint-Esprit. C'était arrêté après encore. Et là, senti encore pour la deuxième fois. Il a prié et c'était fini. Pour lui, il croyait seulement, ce sont les amis qui travaillent avec lui, peut-être ils sont jaloux de lui. Mais lorsqu'il est retourné à la maison, il s'est posé des questions. C'est là où la nuit, il a vu maintenant cet homme-là, donc l'ami de son frère, apparaître. Parce qu'ils avaient fait l'alliance et son petit frère est venu. Cet homme-là est resté en colère avec son frère. Donc il a emprisonné son frère. Comme lui, il avait vu ça. C'est là où cet homme-là est venu l'attaquer. Il était sous forme d'un animal. Il était tout d'abord un animal arrivé tout près. C'est là où il a vu que c'était l'homme en question, l'ami de son petit frère. Et Dieu lui a donné l'autorité et la puissance. Il a combattu jusqu'à ce que cet homme-là est tombé, est mort. C'est là où il est venu témoigner la grandeur de ce Dieu de l'intercession pour tous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire après 45 ans? Dieu a révélé maintenant la cause. Parce que jusqu'aujourd'hui, son frère, il est quelque part, il n'est pas retourné de là où il est maintenant. Il est en Europe, mais il n'est pas retourné là où il était avant. Donc, nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons très très fort les seigneurs. Nous allons élever nos voix sur ce témoignage. Nous allons prier. Vous savez, il y a des choses étranges qui sont introduites au-dedans de nous. Notre frère a eu cette grâce de sentir cela. Mais peut-être toi, tu n'as pas senti. C'est à travers la manger. Même les salutations, il y a des choses qui se transmettent. Il y a des choses qui sont introduites au-dedans de nous. Et après, ça produit des maladies compliquées, ça produit des blocages, ça produit. Nous allons renoncer à toutes les choses introduites par l'ennemi au-dedans de toi, quelle que soit la voie.
par les rapports sexuels, par les bisous, je ne sais pas, par les alliances, par les paroles, tu vas renoncer à tout cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, renonçons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous renonçons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce. Je renonce à toutes choses introduites au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à cela. Et cela au nom de Jésus, quelle que soit la chose. Au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ, par manger, quelle que soit la voie que l'ennemi a choisi pour introduire la chose, au nom de Jésus, je les rejette par le feu, par le sang, au nom de Jésus. Maman, rejette toutes ces choses que l'ennemi a introduit au-dedans de toi, que l'ennemi a introduit dans ton maison, dans la vie de nos enfants, dans ton ventre, sur ta tête, au nom de Jésus-Christ, dans ton cerveau, dans les os, au nom de Jésus-Christ, rejette au nom de Jésus, par le feu, par le sang, nous rejetons cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes toujours en train de prendre possession de le mois. Aujourd'hui, nous allons faire seulement un mois. Parce que le Saint-Esprit m'a reproché. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est le mois de prendre possession. Pourquoi vous prenez deux mois? Pourquoi vous allez trop vite? Vous croyez que c'est quelque chose de facile? Non. Ce sont les dominations des forteresses que nous combattons. Donc, il ne faut pas aller vite. Vous avez tous les mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est pour moi. Pourquoi tu te précipites après pour faire quoi? C'est là où j'ai obéi. Aujourd'hui, nous allons prier seulement pour le mois de juillet. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Éternel parla à Moïse. Nombre 33, à partir du verset 50. Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes les idoles de pierre, vous détruirez toutes les images, toutes les images de fonte, et vous détruirez tout le haut lieu. Et vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Amen. C'est là où le Saint-Esprit, lorsqu'il a commencé à me parler, il m'a expliqué cette parole. Il a dit, vous croyez, pour prendre possession, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est tout un combat. Amen. Lorsque Dieu préparait les enfants d'Israël pour aller prendre possession, c'était le combat. Parce que c'est cette année, nous tous là, nous avons la connaissance que ce que nous sommes en train de vivre, c'est le calendrier des ténèbres. Donc pour dire les années que nous sommes en train, les dernières années que nous sommes en train de passer là, c'est des années déjà dédiées au diable. Dédiées à des mauvaises choses. Donc vous ne pouvez pas prier seulement comme ça, la voler, vous priez seulement. La Bible dit ceci. Dieu l'a préparé. Il disait, lorsque vous partez pour aller prendre possession, ce n'est pas une masse à faire, c'est un combat. Vous allez trouver des gens. Vous allez trouver des esprits qui possèdent déjà ces territoires. Maintenant, quant à vous, de prier et de chasser, c'est ça prendre possession. Prendre possession, ce n'est pas seulement comme vous êtes en train de répéter là. Et j'ai sursauté là où j'étais. Et j'ai compris maintenant que prendre possession, ce n'est pas une masse à faire. C'est là où il leur a dit, il y a les images de fonte. Il y a les idoles que vous devez détruire, vous devez chasser, et après vous allez prendre possession et ça sera pour vous, vous allez vous établir et pour qu'il soit votre propriété. Pour que cette année devienne notre propriété, ce n'est pas une masse à faire.
c'est tout un combat. C'est tout un combat. Toi qui n'as pas enfanté depuis que tu t'es marié, pour que tu accouches cette année, c'est tout un combat. Il y a des esprits à déloger. Il y a des esprits à chasser. Il y a des alliances à briser. Alléluia. Pour que tu puisses prendre possession et que tu puisses jouir. Alléluia. Cette année. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons prier pour le mois de juillet. Nous allons prier pour le mois de juillet. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin et nous allons dédicacer l'année officiellement à notre Dieu. Amen. Juillet, le régisseur, c'est le Belzéboul, le géant qui domine dans le mois de juillet. Nous avons fait le juin. Est-ce qu'on avait fait juin? Juin, juillet. On avait fait quoi? Le dernier mois, c'était quoi? Hier, on a prié. C'était quoi? Belzéboul? C'était Balbéric. Non. C'était main et c'était main. C'était juin, juillet. Donc aujourd'hui, nous allons prier sur le mois d'août. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répéter? Aujourd'hui, nous avons prié. Aujourd'hui, c'est juillet. Nous avons prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répéter les deux mois qu'on a fait hier? Ah oui. Donc, on avait prié. Donc, aujourd'hui, nous allons prier sur le mois d'août. Amen. Le mois d'août, hein, les géants, c'est Astaroth. Astaroth, les maris d'Astarté. Amen. Hein? Amen. Le mari d'Astarté. Nous avons vu pour le mois d'avril, c'était Astarté. Maintenant, le mari d'Astarté, c'est Astaroth. Donc, mari d'Astarté, nous allons prendre maintenant possession de mois d'août, nous allons détruire, comme la Bible dit, pour prendre possession, il faut détruire les idoles, il faut détruire les images, il faut détruire. Nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, verset 5, ce sont des forteresses, ce sont des hôtels que nous allons détruire et nous allons prendre possession, nous allons les chasser, nous allons libérer ces mois de l'emprise du diable, de les contrôler, de les prophéties. Nous allons modifier le calendrier par le sang et par le feu et par la foi. Nous allons détruire cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Montons dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous prenons possession. Au nom de Jésus. Nous prenons possession de mois d'août. Nous venons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Du début du 1er août jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Nous prenons l'autorité. Nous détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Les idoles établies pour contrôler ces mois. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tous les faux dieux. Au nom de Jésus-Christ. La combo na Yesu Masia. Maman. Matin à ma bonne de tous en bonne de là, tous en paralysé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est que l'ennemi a projeté toutes les paroles prononcées, au nom de Jésus-Christ, détruisons cela, au nom de Jésus, déprogrammer toutes les paroles prononcées, au nom de Jésus-Christ, contre toi, contre tes enfants, contre ta maison, contre l'église, contre nos nations, au nom de Jésus-Christ, contre nos continents, contre ce monde, au nom de Jésus-Christ,
ministère, à proclamer la manipulation au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et ses esprits associés. Maman, montez dans la prière. Oh, nous sommes en train de prier. Prends possession de premier dieu, de 3, 4, de 5 et 6, de 7 et 8, de 9 et 10, 11 et 12, 13 et 14, 15 et 16, 17 et 18, 19 et 20, 21 et 22, 23 et 24, 25 et 26, 27 et 28, au nom de Jésus, 29 et 30, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne rate pas un jour, au nom de Jésus, invoque le feu, que le feu de Dieu consume, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, au nom de Jésus-Christ, nous paralysons cela, nous détruisons cela, commence à déprogrammer, commence à déprogrammer toutes les paroles, les programmes, au nom de Jésus, nous modifions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois alerte. Où tu l'as à combien de jours? 31 jours. Donc du premier au 31 jours, nous détruisons du premier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des programmes. Au nom de Jésus. Arrête tous les ténèbres. Au nom de Jésus. La main de l'ennemi. Maman monte. Papa monte. Nous prions. Au nom de Jésus. Les programmes contre le continent. Les programmes contre les hommes de Dieu. Les programmes contre les églises. Les programmes contre tes enfants pour tous, contre ta maison, contre ta santé, détruis cela, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous soumettons. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous soumettons ces mois par le puissance du feu dévorant. Que le feu consume. La Bible dit tout est sanctifié par le feu, par la parole et par le feu. Toko belle la moto nanzambe. Et pendant depuis le 1er août jusqu'au 31 août, moto nanzambe purifié. Cela veut dire moto nanzambe va dans combiner ça. Na ba jour, na ba heure, na ba seconde, tout ce qui est des diables. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Invoquez le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, le mois d'août, au nom de Jésus, le feu de ma vie, le premier jour de ma vie, le premier jour, le dernier jour, au nom de Jésus, le feu, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 25, le 26, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 30, le 30, soyez proximes, approchez-vous, au nom de Jésus, l'ordonnance, au nom de Jésus, le feu de Dieu, et cela au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ, nous plaidons la puissance du sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus rachète ces mois, et purifie tous ces mois, et cela au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ rachète tous les mois d'août, les premiers de Dieu, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 11, les 12, les 13, les 14, les 15, les 16, les 17, les 18, les 19, les 20, les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu prend maintenant le contrôle de tous ces mois. Et cela au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous durant les mois d'août. Viens. Sois avec nous durant les mois d'août de cette année. Au nom de Jésus, que Astaroth ne règne pas. Que toi qui règne, qui est la conversion, qui est le changement, qui est la vie de chercher Dieu. Sois avec nous. Et c'est au nom de Jésus. Sois avec nous durant les mois d'août. Sois avec moi, ma femme et mes enfants. 9, 10, 11, 12. Sois avec nous durant les mois d'août, 17, 18, du premier au dernier jour, 21, oh, 22, 23, 23, 24,
Sois avec nous. 26, éclaire-nous 27, durant ce mois. 28, pour 29, que tout ce que les ténèbres soient anéanties. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous élevons nos voix. Nous plaidons la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre cette Alléluia. Journée. Couvre les assemblées. Partout on est en train de prier. Tu couvre les assemblées. Partout il y a les hommes de Dieu. Alléluia. Nos continents, nos maisons. Alléluia. Partout. Qui est la couverture du sang de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et que la couverture du sang de Jésus nous couvre. Couvre chaque la vie de chaque intercesseur. Intercesseur pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Viens encore nous parler une nous fois te bénissons, Seigneur. Nous te rendons les actions de grâce. Moi et mes bien-aimés, nous prions, nous disons Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous attendons toujours les témoignages. C'est le mois des témoignages. Rends gloire à Dieu en donnant les témoignages. Vous savez, la personne qui a été guérie, lorsqu'on les menaçait, ces gens-là disaient, pourquoi tu veux rendre gloire à Jésus? Parce qu'ils voulaient qu'ils rendent gloire à qui maintenant? Donc, pour dire, lorsque tu bloques les témoignages, tu es en train de bloquer, tu es en train de rendre la gloire à l'ennemi. Ce n'est pas à Dieu. Tu as un témoignage, envoie les témoignages. Nous devons rendre gloire à Dieu en témoignant le Seigneur pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Continuez à vous abonner sur notre page YouTube et sur notre compte Facebook. Le nom c'est toujours Facebook. Le nom c'est toujours Intercession pour tous. Partagez, partagez, partagez. Si toi tu n'avais pas suivi ce programme normalement, aujourd'hui c'est le dimanche. Après, tu as le temps, tu peux commencer à prier du janvier jusqu'au mois d'août. Suis, c'est un kir, il ne faut pas rater. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à 23h pour notre rediffusion. Nous vous disons ciao, 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 ciao. Ciao. Amen. God bless you too, my master.